Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumendé, à Boumé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 13 mars 2023. C'est votre émission Le Tour du Monde en 52 minutes. Pour ce lundi, nous avons trois sujets sur le tapis. D'abord, nous irons au Soudan du Sud, puis nous nous rendrons en Géorgie et enfin, nous allons clôturer du côté du Moyen-Orient. La première thématique de cet après-midi nous parlera de la rencontre Salva Kiir et Riek Machar qui a fini par accoucher d'une souris. Et pour en parler, j'ai trois invités cet après-midi. Il s'agit de Didier Sanson, il est journaliste enseignant. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Également avec nous cet après-midi, Morgana Sokba-Metondi, consultant en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Abdoulaye Hamzat est parmi nous cet après-midi. Il est expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux internautes qui nous suivent. Alors, je vous l'ai dit en l'entame de cette émission, la première thématique de cet après-midi nous conduit directement au Soudan du Sud où le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar se sont rencontrés, mais cette rencontre a fini par accoucher une souris. Alors, juste après son indépendance, les habitants du Soudan du Sud ont connu une joie qui était juste de courte durée. Pourquoi Didier ? Ah, parce que chacun veut être sultan à la place du sultan. Salva Kiir et Riek Machar, c'était des alliés de circonstances. Des alliés de circonstances pour refuser l'hégémonie arabo-musulmane du Nord. C'était juste de circonstances. Après, ils sont tombés dans leur travers d'être chef de guerre. Depuis la mort de John Garang, c'est le seul qui unifiait encore un peu tout le monde. Bon, maintenant, les vieux loups ou les vieux lions, chacun veut. Et c'est vraiment dommage pour un pays qui a connu la guerre pendant plus de 25 ans sous le régime de Omar Bachir. Voilà, soit indépendant et n'en ont rien trouvé d'autre que de s'entretuer tout simplement pour occuper le poste. Alors vous avez dit quelque chose qui est assez étonnant, quoi, assez fort. Le président de la République rencontre son vice-président. C'est quand même fou, quoi. C'est-à-dire que voici des alliés de circonstances qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Et le pays continue de plonger alors que c'est un pays qui pouvait... vous savez, les réserves de pétrole sont dans le Sud-Soudan. Hein. Ouais. Et donc, ils sont sur des mines de richesse. Mais la soif du pouvoir qui mine les pays africains, c'est vraiment terrible, c'est complètement désolant, quoi. Bon, bref, en espérant que la grâce leur tombera dessus, hein, et qu'ils vont finir, ces vieux lions vont finir, je dis même pas s'entendre, quitter le pouvoir pour une nouvelle génération. Alors, Didier Sanson parle de quitter le pouvoir, Morgana Sokba-Metondi, on se rend un peu compte, partie de l'analyse de Didier Sanson, que les deux briscards de la politique sud-soudanaise ont, d'une façon ou d'une autre, brisé le rêve des sud-soudanais. La question est bien plus profonde que cela. Vous pouvez constater que nous sommes partis d'un Soudan
et nous avons 2 Soudans aujourd'hui. Et il n'est pas exclu qu'on puisse se retrouver à 3 Soudans si la tendance continue, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir le regard sur les 2 qui semblent être les leaders, mais il faut comprendre qu'il s'agit probablement et certainement d'une crise intrinsèque qui divise des camps, des groupes de personnes. Et donc, si même aujourd'hui les 2 finissaient par quitter le pouvoir, comme mon confrère l'a dit, la question qu'on devrait se poser, est-ce que c'est un problème d'individu ou c'est un problème social qui est endémique à cette population? Lorsque vous regardez le processus par lequel on s'est retrouvé avec 2 Soudans, vous comprenez que les enjeux n'étaient pas seulement au niveau des ressources, mais que les enjeux semblaient aussi avoir une connotation religieuse. On va dire religieuse, on va aussi dire ethnique, on va aussi plusieurs facteurs. Et donc si aujourd'hui on devrait réellement tablir sur la question qui fait en sorte qu'aujourd'hui 2 leaders d'un même pouvoir se rencontrent et que cela suscite l'intérêt international pour qu'on puisse parler d'une rencontre spéciale, cela signifie que c'est peut-être 2 leaders d'un même pays sur l'espace géographique et la considération internationale, mais dans le fond, ils dirigent 2 groupes naturellement qui ne s'entendent pas, mais qui se retrouvent sur un même territoire. Et quand 2 groupes qui ne s'entendent pas se retrouvent sur un même territoire, on a un problème de nation. Parce que lorsqu'on parle de nation, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le vouloir vivre ensemble. Mais il semble qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait déjà divisé le Soudan en 2, le problème du vouloir vivre ensemble semble être encore une réalité au Soudan du Sud. Encore que même de l'autre côté du Soudan, on a encore quelques soucis de gestion. Hamzat Abdoulaye, allié d'hier, ennemi d'aujourd'hui, le président Salva Kiir et son vice-premier ministre Riek Machar ont fini par se rencontrer. Mais on se rend compte que cette rencontre a fini par accoucher d'une souris. Je ne serais pas autant optimiste ou... parce que je vois que vous êtes trop affirmatif. Je ne pense pas que cela Je ne suis pas affirmative. Autant. Je me contente juste des informations que nous avons au niveau de la scène internationale. Hein. Oui, mais déjà que ces 2 se rencontrent, c'est déjà un fait très important. Parce que le Soudan du Sud a traversé une longue guerre civile, ce qui fait bientôt une décennie, mine de rien. On disait que c'était le dernier pays à avoir accédé à l'indépendance en Afrique. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas réussi à avoir une stabilité au sein de cet État. Au départ, c'était la question de la souveraineté qui était posée. Mais aujourd'hui, cette question ne pose plus problème, puisque le Soudan... Le Conseil aujourd'hui reconnaît le Soudan du Sud, enfin, même si c'est de façon tacite, oui, le Soudan du Sud jouit pleinement de sa souveraineté. Mais au niveau interne, et comme l'ont rappelé mes prédécesseurs, le problème s'est posé parce que le problème de conflit qui est axé surtout sur la répartition des richesses de 2 camps politiques opposés de tous les côtés, eh bien ça pose problème. Et ça s'est accentué ensuite avec cette guerre civile. Cette rencontre, c'était surtout pour s'expliquer. Donc ça n'a pas forcément accouché d'une souris. Quand 2 personnes se rencontrent pour s'expliquer, on n'attend pas forcément qu'il y ait une décision à la fin de cette explication, ce qu'ils ont dit à la fin de leur entretien. Et ce qui a précédé cette rencontre, c'était surtout la décision du président de limoger sans appel 2 ministres ou 3 ministres importants du gouvernement, en l'occurrence le ministre ou la ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères. Et ça, c'est capital parce qu'on avait des accords de paix qui ont réuni justement le vice-président et le président au sein d'un même gouvernement, chacun ayant proposé des ministres au sein du gouvernement de circonstance, parce qu'il fallait trouver un pont pour sortir de cette guerre civile qui ne cessait de faire des remous. Donc, décider de façon unilatérale de suspendre des postes clés du gouvernement sans consulter au préalable son vice-président, c'est susceptible. Mais attendez, mais quand on est président de la République, quand on est chef d'État,
en homme qui en veut, en limoge quand on veut. Oui et non, pour compléter ce que dit Hamzat. Et pour compléter cela, c'est oui et non. C'est un accord de gouvernement. Sauf que Salva Kiir, certainement, n'a pas compris ce qu'il signait. Parce que le voilà, oui, Didier. Oui, il est un peu gâteux. Il faut dire les choses clairement. Et voilà, il n'a pas trop compris. Après, il s'est rendu compte. Parce que le voilà qui vient de laisser ce qu'on appelle les postes régaliens de la souveraineté nationale à ce qu'il appelle l'opposant. Bah, alors, il veut diriger quoi? La défense nationale confiée à l'épouse de Bachar. Voilà. Et il fait ça, et les affaires étrangères, l'économie et les finances. Et puis, il se rend compte, et puis les limoges. Non, pour les limoger, il n'a pas les coups des franges pour limoger. Non, il ne peut pas faire ça. On n'est pas en dictature. Mais il l'a fait. Et la preuve, guerre civile. Et voilà. Et donc, il est président de la République, détenteur de tous les pouvoirs. Non, c'est un accord de gouvernement. Donc, on ne peut pas se soustraire d'un accord sous prétexte qu'on ne veut plus. Non. Et c'est ça qui a entraîné les bisbilles qu'il y a aujourd'hui. C'est presque normal. C'est ça. Et je mets normal avec beaucoup de guillemets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'entendre à autre chose. Il rompt les accords sans que les deux parties ne se réunissent. Et il dit « Toi, tu n'es plus là. Toi, tu n'es plus là. C'est moi le président de la République. Je décide tout. » Non, on n'est pas... Pour le coup, on n'est pas dans un régime présidentiel à 100%. Il est en accord de gouvernement. Et il les retire. Pourquoi? Eh bien, les autres qui n'ont eu leur tradition de vie et tradition militaire n'a été que de faire le coup de feu, ben, ils sont retournés à leurs premiers amours. Alors, dites-nous un peu, Morgane, peut-on dire que cette rencontre était déjà vouée à l'échec quand on sait un peu les relations tendues entre les deux hommes? Vouée à l'échec, ce n'est pas... forcément le terme approprié. Mais il faut dire que lorsqu'on comprend et on analyse tout le temps qu'il a fallu pour trouver cet accord de gouvernement et que par acte unilatéral, on semble avoir rupture de cet accord, toute série de négociations prend du temps. Et donc ce premier contact est assez intéressant déjà. Maintenant, est-ce qu'il fallait s'attendre dès ce premier contact à ce que chacun reprenne son poste? Je pense que non. Et si d'aventure, l'éventualité que soulève mon confrère Didier Sampson par rapport au fait qu'il ait signé ce qu'il n'a pas compris, je pense que cette fois-ci, il va faire tout pour bien comprendre avant de signer. Et là, c'est là, en fait, la situation particulière de cet État-là. Nous sommes dans un État, pas comme les autres, parce qu'il y a des tensions qui aussi menacent, de par leur existence, même la conception même de la gouvernance et de l'effectivité territoriale. Vous l'avez annoncé lors de votre première prise de parole, Hamzat. Alors aujourd'hui, le fait pour le président sud-soudanais de limoger la ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur, sachant pertinemment que parmi les trois ministres, il y avait quand même un ministre qui était proche de lui. Est-ce que cette nouvelle situation pourrait éventuellement entraîner un nouveau conflit au niveau du Soudan du Sud? C'est vrai que les conflits, ça n'a pas cessé dans ce pays, mais cet acte qu'a posé le président Salva Kiir, est-ce qu'il pourrait lui être préjudiciable? Déjà, la guerre n'a jamais cessé au Sud-Soudan. Il y a toujours des conflits ethniques, tribaux, qui ne cessent de s'amplifier. Par contre, la guerre au sens étatique s'est estompée suite à cet accord, justement, cet accord qui permettait aux deux de cohabiter. C'est une sorte de cohabitation. Donc, il y avait des principes qu'il fallait respecter, il y avait des poses régaliens que le président a attribué, peut-être c'était une erreur, à M. Riek Machar. Peut-être. C'est bien possible, surtout dans ce contexte trouble, c'est bien possible qu'il n'ait pas pris conscience de ce que c'est. Alors, qu'un poste. C'est bien. Enfin. C'est son avis, Morgane. On ne va quand même pas lui interdire ça, c'est son avis. Je ne suis pas en train de dire qu'il avait une certaine conscience, qu'il l'a oublié. Non, je dis, c'est bien possible. Un jeu de mots. Exactement. Il se peut que ce soit possible que, voilà, il n'ait pas mesuré l'impact d'attribuer un poste régalien à un opposant, à un chef, à un parti, ou enfin, à un opposant. Voilà, à son adversaire principal. Mais
Aujourd'hui, le contexte a évolué parce qu'il s'est rendu peut-être compte qu'il avait fait une boutade. Mais moi, je ne comprends pas forcément son approche de la chose parce qu'il dit, il réattribue cette fois-ci l'intérieur à l'opposition et il reprend la défense. C'est un peu complexe, on ne trouve véritablement pas un sens à cela. Est-ce qu'il s'est fait piquer par un moustique la veille qui lui a donné ce type de conseil? Donc je ne trouve pas ça. Je trouve qu'il est dans la provocation de Riek Machar, parce qu'on sait que Riek Machar, c'est un entrepreneur de violence. Il est un entrepreneur de violence, il vit de ça et il n'a pas grand-chose à perdre dans cette histoire de guerre intra-étatique. Donc, je trouve que le président Salva Kiir ne mesure pas l'impact de cette décision qu'il a eu à prendre ces derniers jours. Et j'entends aussi le chef de la MINUS, la mission de l'ONU au Sud-Soudan, qui aussi se plaint, qui a même peur des résurgences de cette crise qui pourrait peut-être remonter à un niveau étatique, parce qu'on avait dit avec cet accord, on avait réussi à avoir une certaine accalmie, mais avec cette décision couplée bien entendu aux violences ethniques qui ont continué à prendre de l'ampleur, eh bien on peut s'attendre au pire. Alors pour sortir de ce sujet soudanais cet après-midi, lorsqu'on voit un peu la situation chaotique qui prévaut aujourd'hui au niveau du Sud-Soudan, est-ce qu'on n'est pas à même de dire que au niveau de Khartoum, les autorités avaient raison de dire qu'au niveau du Sud-Soudan, ils n'étaient pas prêts pour l'indépendance, Didier? Non, non. La question, elle est valable pour tous les trois. Oui, non, non. On ne peut pas dire que tu n'es pas prêt pour être indépendant. Tu n'es pas prêt pour être libre. Non, non, non. Ce n'est pas des choses qui s'édictent. Et ça se vit. Ils l'ont arraché. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que sous le régime de Khartoum, interdiction de parler sa langue, interdiction de pratiquer sa religion, il faut parler l'arabe, il faut être islamisé, etc. Donc, ça n'a pas tenu longtemps, cette affaire-là. Enfin, ça a débouché, c'est surtout John Garang qui s'est battu pour que cette partie soit distincte de la partie arabophone, musulmano-arabophone, que ça se distingue un peu et qu'on puisse même vivre ensemble. Et après, John Garang a évolué aussi vers l'indépendance. Donc, et l'autonomie de cette partie du Sud. Et donc, les accords ont abouti, après le Darfour et compagnie, les accords ont abouti à une indépendance. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas prêts. Si, on est toujours prêt à être responsable chez soi. Sauf que c'est des intérêts divergents qui font que maintenant, Khartoum rit hein, du côté, dit ben, tiens, voilà, vous êtes parti, voici ce que vous faites de votre propre pays. Et voilà, donc, il s'en moque un peu. C'est dommage que des gens qui sont partis sur une lutte de libération nationale n'arrivent pas à s'entendre. Et quelqu'un évoquait tout à l'heure, c'est le vivre ensemble. C'est ça qu'ils ne savent pas faire. Ils savent faire le coup de feu. Est-ce que c'est facile de gérer le vivre ensemble? C'est même très compliqué. Déjà, pour pouvoir gérer le vivre ensemble, il faudrait qu'il y ait une histoire commune, acceptée, partagée. Partagée, oui, on peut partager l'histoire, mais est-ce qu'on l'accepte? C'est ça la grosse question. Et surtout, il faudrait que les facteurs externes, parce que vous voyez, vous l'avez si bien dit, quand vous regardez le sud du Soudan, il y a beaucoup de matière à attiser l'appétit hein, d'acteurs externes à la question. Et quand on parle d'acteurs externes, même l'autre Soudan est là. On n'a pas les éléments qui nous permettent concrètement d'apprécier les raisons pour lesquelles on est toujours dans une instabilité hein, de leadership dans ce Soudan-là qui regorge suffisamment hein, de ressources naturelles. Et donc, si on doit tenir compte de ce facteur-là, on doit se dire tout de suite que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que le problème de ce Soudan se limite aux acteurs internes et qu'il y a une forte probabilité que les acteurs externes aient disons, on ne va pas dire une main, hein, mais des intérêts qui les amènent à influencer le processus hein, de leadership dans cette partie-là du Soudan. Et donc, c'est quelque chose qui mérite réflexion et il faut plusieurs analyses pour en arriver réellement à déterminer les causes et les solutions probables. Oui, j'allais dire que le Sud-Soudan a engendré en réalité, la question du Soudan déjà a engendré une société guerrière. Le Sud-Soudan, en obtenant son indépendance, de cette façon-là surtout,
était sur une base d'une société guerrière. La société guerrière, c'est quoi? C'est cette société qui revendique son indépendance, mais qui, n'ayant pas les armes ou les outils politiques pour y parvenir, est obligée de se constituer en une société guerrière. Et la société guerrière est alimentée par qui? Par les entrepreneurs de la violence, que sont ceux que vous savez déjà. Ah non, mais non, aujourd'hui, moi je ne sais pas. J'évoque le président et son vice-président avec les forces tentacules qui sont des entrepreneurs de violence. Mais par rapport à Khartoum, Khartoum n'est pas mieux loti que le Sud-Soudan, avec le problème du Darfour évoqué par Didier. C'est que la question du Darfour, à l'heure où nous parlons, n'est toujours pas résolue. Donc ils ne sont pas mieux lotis pour juger le Sud-Soudan. Je ne pense pas qu'il soit d'ailleurs dans cette posture de pouvoir juger le Sud-Soudan, parce que pour sortir des conflits intra-étatiques, eh bien c'est vraiment complexe. C'est une procédure et je pense que ça va prendre du temps. Et les acteurs internationaux, autant qu'ils sont, font ce qu'ils peuvent, même si on sait qu'il y a des raisons liées au sous-sol du Sud-Soudan qui alimentent de part et d'autre ces sociétés guerrières. Oui, si vous permettez, il faut quand même mettre un bémol par rapport à cette question d'entrepreneurs de la violence. Je ne pense pas que les deux leaders dont nous parlons ici sont des entrepreneurs de la violence. Parce que quand on parle d'entrepreneurs de la violence, c'est ceux qui ne vivent que de cette violence-là. Et les groupes terroristes, par-ci et par-là, peut-être considérés, mais considérés des leaders étatiques qui travaillent quand même à trouver des accords pour apporter une stabilité dans un pays donné d'entrepreneurs de la violence, je pense que c'est aller un peu trop loin. Il faut mettre un bémol. Bon, ça, c'est ça. Didier, on va définitivement sortir ce sujet. Nous, dans cet après-midi. Des entrepreneurs, enfin, c'est des chefs de guerre. D'accord. Ils vivaient de ça avant d'aller au pouvoir. Et ils continuent de vivre de ça. Oui, ils vivent de ça. Ok, d'accord. Nous sommes définitivement sortis de ce sujet. Alors, le second sujet de cet après-midi nous conduit directement au Caucase. Là, nous sommes en Géorgie où le pays a renoué avec les mouvements de contestation. La Géorgie, de nouveau dans la tourmente. Hamzat. Oui, la Géorgie n'a pas cessé d'être dans la tourmente. Oui, aussi. À un moment, ils ont cessé quand ils voulaient faire leur entrée à l'Union européenne. Enfin, oui, ils sollicitaient. Oui, après, quand on se rend compte qu'on a plus des intérêts qui vont dans le sens de l'entrée de l'Union européenne, c'était beaucoup plus simple. Mais au fond, le problème demeure parce que le parti qui est au pouvoir, Georgian Dream, le rêve géorgien, c'est un parti qui est connu comme étant pro-européen. Oui, pro-européen. Mais dans le fond, celui qui alimente ce parti, en l'occurrence Iñaki Garibashvili, je vais y arriver, c'est un pro-russe, c'est un oligarque russe. Donc, on sent un peu le paradoxe politique, c'est-à-dire, je suis nourri par la Russie, mais j'ambitionne d'entrer dans l'Union européenne, ce qui semble paradoxal. Donc on allait en arriver là d'une façon ou d'une autre, parce que la vérité aura beau être cachée un jour, quand elle finit par se révéler. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Mais pour comprendre véritablement ce qui se passe en Géorgie, il faudrait remonter à l'histoire. Je ne sais pas si on a le temps de remonter à l'histoire, mais la Géorgie était un ancien État de l'ex-URSS. Et la Russie d'aujourd'hui vit mal en fait la sortie de la Géorgie. Elle vit mal la sortie de l'Ukraine. Hein? Exactement. Mmh. Et nous sommes encore en plein dans le contexte de la guerre en Ukraine. Donc il ne faut surtout pas perdre complètement la Géorgie, même si la Géorgie a été... Enfin, on lui a coupé les deux bras. On lui a pris l'Abkhazie, on lui a pris l'Ossétie du Sud. Et c'est important, on a coupé les deux bras à la Géorgie. Mais cela n'a pas empêché la Géorgie de vivre sur le plan politique, de continuer à espérer entrer dans l'Union européenne. Mais aujourd'hui, il y a eu une série de manifestations qui ont surtout découlé de cette tendance, ou plutôt du vote d'une loi proposée à l'Assemblée nationale qui voudrait faire en sorte, en quelque sorte, que les organisations non gouvernementales, les ONG, soient reconnues en tant que structure internationale à partir du moment où ils sont financés à 20% de l'étranger. Et ça a entraîné des manifestations monstres
qui rappelle un peu le printemps géorgien. Exactement. D'accord. Qui rappelle à peu près cette période. Donc, on sent déjà que les Géorgiens ne veulent pas du tout retourner dans le giron, sous le giron russe. Et il semblerait déjà que le vote de cette loi serait instrumentalisé par la Russie. Mais moi, je trouve ça complexe parce qu'on a un gouvernement qui est techniquement pro-euro et on a une présidente qui est pro-euro, pro-Europe. Et la question devient plus complexe, mais je pense qu'il faut beaucoup mieux gérer les revendications sociales en essayant de tempérer comme a essayé de le faire la présidente depuis New York. Et je pense qu'en mettant à l'eau cette loi, parce que cette loi a été déjà rejetée par le Parlement, je pense que ça va essayer de calmer les ardeurs, même si, aux dernières nouvelles, les manifestants n'ont pas arrêté de se mettre dans les... Alors, est-ce que la position géographique et stratégique de la Géorgie ne fait pas de ce pays un pays très vulnérable? Très vulnérable pour un État, je pense que c'est aussi beaucoup dit. Tous les États, d'abord, ont un degré de vulnérabilité. Et ce degré de vulnérabilité réside dans la capacité des leaders de cet État à gérer les mouvements de leurs citoyens, à faire en sorte que les citoyens se sentent suffisamment en sécurité ou en processus de développement pour ne pas verser dans des manifestations qui pourraient déstabiliser le pays. Et partant de ce point, il faut dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Géorgie ne devrait pas être automatiquement lié au passé russe ou bien passé URSS de la Géorgie. Non. Vous croyez? Oui, il ne faut pas le lier automatiquement. Il ne faut pas mettre chaque... Mais il ne faut pas aussi épargner cette hypothèse. Non, l'hypothèse ne devrait pas être nourrie ou traitée comme première hypothèse. Pourquoi pas? Parce que nous avons un fait social qui a occasionné la déstabilisation du système de leadership. Et ce fait, c'est bel et bien cette loi et toutes les conséquences. Cette loi est épuisée où? Elle a été inspirée à partir de quel pays? Peu importe l'inspiration, vous ne pouvez pas accuser un mécanisme démocratique de chercher l'inspiration Mais Monsieur Morgan Asokba, mettons, dit que vous le vouliez ou non, aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons au niveau des ex-républiques de l'ex-URSS, la Russie est accusée de tous les maux d'Israël. Alors, on fait comment? Vous n'allez pas faire comprendre aux Géorgiens, par exemple, que ce qui leur arrive, il n'y a pas une main invisible de la Russie dedans. Je n'ai pas besoin de leur faire comprendre cela parce qu'ils le savent. Parce qu'il faut rappeler une chose. Lorsqu'on parle de l'éclatement de l'URSS, ça a été démocratique techniquement. Cela n'a pas été forcé. Et donc, à part à la mort de l'URSS, on a la Russie et on a d'autres États. Mais dans chaque État gère son processus de développement. Et aujourd'hui, les États sont naturellement indépendant. Mais la Russie ne digère pas. Oui. On rêve toujours de la mère patrie. Oui. La Russie a attaqué la Géorgie. Oui. La Géorgie. La Russie a attaqué la Géorgie. Pourquoi? En démembrant. Non, c'est pas le débat de cet après-midi. Justement. On va pas revenir dessus. La Russie a attaqué la Géorgie. Pourquoi? On va pas revenir dessus. Mais une chose est sûre, Monsieur Morgan, ce lundi après-midi, qu'on le veuille ou non, quand il y a un malheur quelque part, surtout dans les ex-républiques, surtout au Caucase, il y a toujours la main russe dessus. On fait comment? Le problème, c'est que lorsque vous êtes à un poste de leadership et que vous devez vous baser sur des éléments non factuels pour faire la gestion de votre population, vous allez droit dans le mur. Si aujourd'hui, les leaders de la Géorgie veulent se focaliser sur la main invisible, soi-disant main invisible de la Russie, ils vont passer à côté. Ils n'auront même pas le temps de réfléchir et le système de leadership va tomber. Puisqu'il y a des revendications factuelles sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour calmer et pour stabiliser? Il faut voir comment traiter ces revendications. Et nous avons la démarche. Déjà, le rejet de cette loi est censé apporter un pas dans le sens de l'apaisement du mécanisme. Maintenant, il faut se rapprocher de ces acteurs-là et leur demander exactement qu'est-ce qu'ils revendiquent. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils continuent de protester? Alors, Didier Sanson, vous êtes d'abord journaliste, vous êtes enseignant, mais ce texte-là, est-ce que ce n'était pas une façon quand même de déclarer un peu, un tout petit peu, même si c'est juste une petite guerre aux organes de presse et aux populations qui ont quand même soif d'être informées? Bon, alors, il faut savoir que la Géorgie
fait partie de l'URSS, faisait partie de l'URSS pendant 60 ans. Et il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. On ne vient pas du jour au lendemain, même si ça fait 15 ans ou qu'ils sont indépendants, dire qu'on va tout recommencer. Il y a un système. Or, ils ont produit, la Géorgie a produit dans le système soviétique jusqu'au président qui avait été élu lorsque l'Union soviétique a explosé, qui était franchement pro-occidental tout de suite. Et donc, qu'est-ce que les Européens veulent derrière ? Oui, venez par ici, parce qu'on veut tout simplement exploser, mais complètement, l'Union soviétique. Donc, on fait la cour à tout ce qui est possible et imaginable. Et dès qu'on bouge la tête, oui, venez vers ici, etc. Donc, on est dans cette situation géopolitique où tout était permis. Mais les Géorgiens ont voulu une liberté sans savoir qu'ils sont dans le flanc de l'Union soviétique et qu'il va être difficile de rompre, de tourner le dos du jour au lendemain. Il faut progressivement aller. Mais l'appel de l'Occident qui va refuser la liberté sous prétexte de... Voilà. Donc, on veut y aller. Et je trouve que la gestion politique, même si c'est déjà un responsable, ça a quand même été non seulement alimenté par les Occidentaux avec la résistance de l'Union soviétique qui n'arrête pas d'insuffler ce qu'il faut pour déstabiliser. N'oublions pas qu'une partie de la Géorgie est russophone. Ils parlent russe. Oui. Donc ceux-là se sentent avec la mère patrie. Hein. Oui, mais donc il faut gérer ça. Oui, Didier Sanson, avec votre permission, pourquoi, je vais ouvrir cette parenthèse avant de continuer, l'ex-URSS était un ensemble d'États. Ouais. Mais on constate quand même que la Russie a du mal à se départir de l'Ukraine et de la Géorgie. Je vais donner un exemple. Oui. Dans le Kazakhstan, il y a la base de Baïkonour. Ouais. Là, on envoie les fusées. C'est les premiers qui ont fait le tour de la Terre et qui sont allés explorer un peu la Lune, sauf que les Américains ont atterri dessus. C'est au Kazakhstan qui est aujourd'hui indépendant. À Kiev, ils sont tous orthodoxes. Le patriarcat est à Kiev. Et tout le côté Donbass, ils sont tous russophones. Et donc, c'est quoi ? La Crimée dont on parle, ça a été la base pour gagner la Seconde Guerre mondiale et rétamer l'Allemagne. Et donc, ça reste soviétique. Et donc, maintenant, la Grande Russie se voit retirer tout ça. Je vais prendre un exemple encore plus petit. Et la fédération éthiopienne. Lorsque il s'est agi à un moment de se départir complètement de l'Érythrée, qui a la façade maritime. Et on fait quoi? On continue de se battre ou on négocie? Il y a eu cette petite intelligence des Éthiopiens de dire ok, vous serez indépendant, mais nous allons avoir des couloirs de passage pour y aller. Parce que c'est notre façade maritime et ça va être votre richesse. Pour nous qui allons rester État fédéral. Donc, on essaie de trouver des moyens comme ça. L'Union soviétique, le propre de l'Union soviétique, c'était de dispatcher comme ça, de saupoudrer comme ça sur tous ces États la capacité puissante de l'État. Ils sont dans le centralisme démocratique. On éparpille un peu partout. Ils n'ont jamais imaginé, jusqu'à Gorbatchev, que ça allait imploser, cette affaire-là. Donc maintenant, comment retrouver tout ça ? En Géorgie, les intérêts sont réels. Les intérêts sont réels. En Ukraine, et les intérêts sont réels. Tous les gazoducs passent par là pour aller en Allemagne. Tous les gazoducs. Donc on va laisser l'Ukraine aller tomber dans les bras des Européens et nous, on fait quoi, là? On devient qui? Voilà, donc, c'est une guerre stratégique. C'est des questions d'intérêt. Et les lois à voter, je suis sûr que... Moi, je vais faire de la science-fiction. Hein, oui. Je vais faire de la politique-fiction. Je suis sûr que les Russes ne sont pas loin de semer la zizanie pour tirer la marron du feu. Voilà. Nous allons passer la parole à Hamzat. Alors, dites-nous, tout à l'heure, hein, vous avez parlé de l'entrée de la Géorgie au niveau de l'Union européenne et des relations également avec la Russie. Vous l'avez dit tout à l'heure, le bras financier du parti au pouvoir est russophone. Est-ce que c'est possible pour ce pays-là d'entretenir aujourd'hui les relations à la fois avec l'Union européenne et la Russie? Alors, les deux à la fois, ça va être très compliqué, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. Oui, le bras financier, c'est Ivanishvili, et il reste dans l'ombre, mais il finance le parti
Georgian Dream. Et le principe ou la priorité de ce parti à la base, c'était une entrée à l'Union européenne. Mais fort est de constater que dans les décisions prises, dans les lois qui passent à l'Assemblée, on sent derrière une connotation russe. Et là, quand le peuple se saisit de ce type de choses... Ce que Morgane n'accepte pas. Oui, bon, c'est... Oui, c'est le débat. Cela va de droit. On est encore dans le débat et que l'opinion par rapport aux questions internationales varie aussi. C'est ce qui est très bien pour votre débat. Mais pour revenir à votre question, je trouve que la Géorgie est au carrefour de l'histoire, au tournant de l'histoire, parce que aujourd'hui le principe serait d'éviter ce qui est arrivé ou ce qui arrive aujourd'hui en Ukraine. Et je pense vraiment que ceux qui sont au lit, ceux qui sont à la tête de la Géorgie ont compris la chose. Et dans leur prise d'opinion après ces manifestations, c'était surtout un retour là-bas à la terre. Et il faut rappeler aussi que l'ancien président géorgien Mikhail Saakashvili est toujours en détention, par exemple. Il était un pro-Europe aussi. Mais il est en détention pour des raisons incompréhensibles. Mais les dirigeants actuels essaient de remettre la balle à terre. La présidente a essayé de remettre la balle à terre en conduisant surtout les députés de faire un deuxième vote pour annuler cette loi et afin que les manifestants puissent se calmer. Mais je trouve qu'on a atteint une certaine limite à ne pas dépasser parce que les populations géorgiennes ont subi pendant longtemps la fougue russe. Et la fougue russe, il faut la voir faire beaucoup plus de mal que de bien à ces peuples-là. Du Caucase. De la mer Noire, du Caucase, même des Pays-Baltes. Ouais. Aujourd'hui, les Pays-Baltes ne se voient même pas. Ils ne pensent pas à un retour dans le giron russe. L'Estonie, preuve la Moldavie également. Hein. Exactement. Ils ne pensent pas du tout à un second retour parce que la souffrance historique subie durant ces longues périodes, surtout même après, durant la guerre froide, eh bien ça a occasionné beaucoup plus de mal que de bien. Et aujourd'hui, retomber dans ces travers historiques, eh bien c'est fait. 4 pas en arrière et peut-être un seul en avant. Et c'est le seul pas en avant que propose la Russie, et peut-être parfois avec la guerre. Je ne suis pas en train de m'insurger contre la politique russe, non, surtout pas. Mais je trouve, vous l'avez dit, c'est un débat d'idées. Hein. Effectivement, mais je trouve que la géopolitique dans cette région est très mal gérée par Vladimir Poutine, qui a plus l'ambition de retrouver la mère patrie. Voilà, alors, oui, Morgane, vous voulez renchérir? Oui, pas renchérir, quand même apporter... De l'eau à son moulin. Voilà. D'accord. Une nuance. En tout cas, ça dépend si ça va passer dans son moulin. Il y a une chose qu'il faut savoir. Il y a l'antériorité des faits. Ouais. La Russie, avant l'URSS, avant d'avoir tous ces États qui ont donné naissance à l'URSS, n'était pas d'abord l'URSS. Il y a eu une conquête qui a ramené ces États. Et ces États sont restés ensemble pendant des années. Et après cela, on est reparti. L'Ukraine ne faisait pas d'abord partie de la Russie au départ. Mais il y a eu une conquête qui a fait de l'Ukraine partie de la Russie. Ainsi que la Géorgie. Et donc, si vous vous arrêtez seulement à l'époque de l'URSS... Staline ne serait pas d'accord. Oui, si vous vous arrêtez à l'époque de l'URSS... Oui, c'est vrai que Staline ne sera pas d'accord. Hein. C'est pas un souci, Staline. On va se comprendre. Mais si vous vous arrêtez à cette époque, vous passez à côté de la question. Mm-hmm. Maintenant, je reviens à cette séparation. Vous voyez ce qui se passe de l'autre côté et pourquoi je dis qu'il ne faut pas regarder comme élément perturbateur ou problématique la Russie. C'est ce qui s'est passé en Afrique. Je vais vous expliquer. Très rapidement. Vous divisez des États qui décident de se séparer et pourtant il y a des peuples qui partagent encore la même culture et qui ont bien envie de vivre ensemble. Vous avez cité vous-même ici... Cas pratique du Burundi, du Rwanda et du Congo démocratique. Exactement. Cas pratique de la Géorgie. Vous l'avez dit, il y a des russophones qui y vivent. En Ukraine, il y a des russophones qui y vivent. Et comment est-ce que vous voulez comprendre que des Russes peut-être apprécie une certaine souffrance des russophones dans un état tierce et n'ait pas envie d'agir. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est que lorsque, au lieu de travailler à renforcer le vouloir vivre ensemble, à comprendre les raisons qui pourraient motiver une probable déstabilisation, au lieu de travailler à cela, lorsqu'on s'attache à Poutine et à sa politique,
on passe à côté et on se retrouve à gérer des situations de crise qui ne sont pas concrètes. Bon, alors moi aussi je vais apporter mon grain de sel. Non, Didier, vous n'allez pas apporter de l'eau. J'apporte un grain de sel. Très rapidement. Mon grain de sel. Et il a utilisé deux mots qui sont assez forts et qui compliquent tout. Ramener. Le mot ramener, c'est-à-dire qu'ils y étaient, ils sont partis, et puis ils les ont ramenés. Ah. Non. Les Géorgiens n'étaient jamais les supplétifs des Soviétiques. Ils ont été colonisés après la Seconde Guerre mondiale. On a occupé l'espace. Et conquête. Elle avait utilisé également le mot conquête. Ouais. Je retiens cela. Ça a été conquis. Oui. Ça a été conquis. Et maintenant, pour que des russophones soient là-bas et qu'on comprenne la politique actuelle du Kremlin, je ne veux pas comprendre cela. Je refuse de comprendre cela. Je donne un autre exemple, puisque Morgane a cité un exemple africain. Je vais reprendre un autre exemple africain. Vous savez, de l'autre côté d'Accra, qui est là, il y a 7 millions de gounds, de locuteurs de gounds. 7 millions de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on parle au Bénin. C'est-à-dire qu'ils vont occuper le Bénin à eux tout seuls. Ils sont de l'autre côté de la frontière. D'accord ? Nous n'avons même pas 1 million du côté béninois. Est-ce que ça suffirait au Nigeria de commencer par lorgner vers nous et dire « Bon, écoutez-vous, petit gars, Porto Novo, ça va désormais être pour nous ?» Non. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des locuteurs d'une langue quelque part et qu'on partage la même culture que forcément on est ensemble. Le Burundi ou le Rwanda, je veux bien comprendre. Mais maintenant, si on va commencer par découper, ça va être du gruyère, ça va être des trous un peu partout, ça va être un puzzle ingérable. Donc, on peut mettre de l'eau, on peut édulcorer comme fait Morgane, mais il y a quand même quelque chose. Le principe de la souveraineté pour les Russes n'est pas la même chose que pour les Occidentaux. Et les Russes voient pour eux la souveraineté, comme le citait Morgane, c'est si vous avez des russophones dans un État frontalier. Morgane n'a jamais dit ça. Enfin, Morgane n'a jamais dit que c'était la souveraineté. Il faut que je corrige cette façon de voir. Morgane. Autant reconnaître alors. Donc, je d'accord. Bon, alors, nous allons évoluer dans notre débat de cet après-midi. Est-ce que le fait que le mouvement déclenché par les populations géorgiennes par rapport à ce texte de loi, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas un leader peut être préjudiciable pour les autorités géorgiennes, parce qu'on n'a pas vu un leader, qu'il soit politique ou même de la société civile, à la tête de ce mouvement, Morgane. Je pense que ce serait difficile de dire qu'il n'y a pas un leader, même si on peut dire qu'on ne voit pas le leader. Mais je pense pour être en mesure de déclencher un mouvement pareil, il doit certainement y avoir une organisation derrière. Maintenant, s'il n'y a pas d'organisation derrière, il va y avoir une organisation. Et ce serait très grave s'il n'y a pas une organisation derrière et que c'est spontané. Ça signifie que la crise est vraiment intrinsèque. Il y a un problème de fond qu'il faille réellement toucher. Mais vous croyez que ces mouvements de protestation n'étaient pas, comment dire, spontanés. C'est difficile à dire. Nous constatons la spontanéité du mouvement. Mais est-ce que c'est vraiment spontané? C'est un autre débat. C'est pour cela que je dis, dans la mesure où c'est spontané, le problème est vraiment intrinsèque et il faut diagnostiquer. Mais si ce n'est pas spontané et que c'est organisé et influencé, alors la thèse de l'instrumentalisation trouve tout son sens. L'entrée de la Géorgie au niveau de l'Union européenne, est-ce que ça peut être un souci pour la Géorgie, c'est vrai, vous l'avez dit. Un souci pour la Russie. Pour la Russie, pardon. Oui, bien sûr, ça va être un souci. Et c'est quand même normal qu'ils réagissent contre cette déperdition. Allez, tout le monde s'en va, quoi. Et c'est une hémorragie. Et donc, attention, eux aussi veulent refaire leur bloc. Et je reviens à cette politique soviétique où tous ces États satellites servaient de tremplin pour regarder de l'autre côté. Mais si tous ils
niveau, il n'y a plus de tremplin. C'est-à-dire que ça devient une frontière, la frontière européenne se rapproche davantage. Vous voyez ce qu'ils ont fait en Azerbaïdjan et puis en Arménie. C'est-à-dire que depuis Staline, on a décrété qu'en Azerbaïdjan, on va amener des Arméniens turcophones. Qui n'ont rien à faire là, sur le problème du Haut-Karabakh. Mm-hmm. Ils n'ont rien à faire là, mais on les met là. Ils sont là depuis 60 ans, donc deviennent de là. Et comme ça, ça va créer un problème insoluble à jamais. Mais voilà, donc, tout ça n'est pas arrivé par hasard. Sauf que quand vous allez en Géorgie, il y a des russophones peut-être, mais il y a davantage d'unicité. Quand vous êtes en Ukraine, il y a des russophones, mais il y a davantage une spécificité. Vous allez également en Yougoslavie exploser, et même en Croatie, vous avez des Serbes. Voilà, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même des nations. Il y a quand même des nations. Les Baltes, ils sont trois États baltes aujourd'hui, et personne ne va chercher à les mettre ensemble. Lituanie, Estonie et compagnie, ils sont quand même. Alors, il y a des identités. Il y a des identités. Maintenant, qu'il y a de la permissivité à gauche et à droite, oui, mais ça, on comprend bien. Mais que tous ces États-là se retrouvent à l'Ouest, les autres vont dire. Oui, c'est comme, est-ce que Poutine a laissé ces États baltes aller vers l'Ouest parce que. Ils n'ont pas grand-chose à lui apporter. C'était pas du ressort de Poutine. D'accord. Parce que, je pense que le principe de ces États baltes remontait plus à un accord avec l'OTAN. Et Poutine, c'était sous Yeltsin, Boris Yeltsin. Donc, Poutine n'avait pas forcément son mot à dire. Il a dû accepter. Mais l'administration, c'est une continuité. Oui, c'est pour ça que ça continue. C'est pour ça, justement, il essaie de mettre les tentacules pour récupérer ce qu'il peut. Mais en fait, les États baltes, cette idée de vouloir récupérer est une idée que j'aimerais bien voir justifiée. Parce que jusque-là, il n'y a pas une déclaration qui fait qu'on veut récupérer. Et laissez-moi vous dire que c'est impossible. D'accord. La Russie ne peut pas au 21e siècle. Oui, la Russie ne peut pas, mais elle a quand même tenté de Elle a quand même dit à un pays souverain, tu n'iras pas. Pas à l'Union européenne, tu n'iras pas à l'OTAN. La question à ce niveau, c'est beaucoup plus perplexe. C'est du gruyère, un peu comme M. Samson l'a dit. C'est pas de la cassa. C'est pas de la cassa pour qu'on dise ce qu'il a dit. Il faut déjà comprendre qu'est-ce qui lui permet d'émettre cette idée que cet État a plus intérêt à ne pas rejoindre l'OTAN qu'à décider de rejoindre l'OTAN. Le problème est profond. Il y a eu une entente qui a permis à un moment donné de faire partie le pacte de Varsovie et même de mettre fin à la situation conflictuelle qui existait. Alors, si le contexte change et qu'on veut prendre des décisions par rapport à ce changement, il faut que tous les acteurs s'entendent. Et la Russie faisait partie de ces acteurs qui se sont entendus à l'époque pour dire, voilà, même si on ne le crie pas, on le fait en mot « gentleman agreement ». Qui n'existe plus. Parce que, justement. Non, parce que quand on veut se soustraire, c'est ça le principe des guerres. Hein. Quand on veut se soustraire, voilà, on dit non, je ne suis pas d'accord et on fait la guerre. C'est si simple que ça. Hein. Et c'est pour cela. Et quand on a des fous, ça va très vite. C'est pour cela qu'il faut accepter la situation telle qu'elle est et comprendre qu'il y a nécessité de retourner à la table de négociation et de décider des nouvelles façons de procéder. Parce que le problème, il est intrinsèque. La Russie dit, écoutez, vous nous avez promis dans un gentleman agreement que l'Ukraine ne devra pas rejoindre l'OTAN. Et le pacte de Varsovie est parti en fumée. Parce que c'était ça l'accord. Et aujourd'hui, il n'y a pas que l'Ukraine qui avait eu... c'était pas une promesse juste avec l'Ukraine. Mais il y avait plusieurs autres. Et donc aujourd'hui, tous ces États rejoignent l'OTAN. Alors, dernier sujet de cet après-midi. Ce sera très, très rapide parce qu'au niveau de la technique, on nous fait déjà deux grands signes. L'axe Téhéran Riyad bientôt opérationnel. Alors, la Chine fait à nouveau parler d'elle. Et cette fois, c'est au Moyen-Orient. Hamzat. Oui. Très rapidement, au niveau de la technique. La Chine a effectué un coup de maître en réunissant deux frères ennemis, deux adversaires historiques opposés par la religion, par la politique, par les intérêts, l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'était impensable encore, hein, il y a quelques jours. C'était impensable. Et l'Amérique, les États-Unis, dans leur veste du soft power, gendarme du monde. Du monde
Je pense qu'ils ont laissé faire beaucoup de choses. Et on se dit finalement, est-ce que, c'est peut-être une parenthèse que je vais tout de suite fermer, est-ce que les conflits qu'on a finalement ne sont pas plus alimentés par justement ces gendarmes du monde que l'effet contraire? Et c'est une parenthèse, je referme très vite parce que... Bah, j'espère que Morgane ne va pas réouvrir cette parenthèse. La Chine a été pragmatique. D'accord. Et je vais finir là-dessus en disant la mondialisation, je pense que c'est la Chine qui est le seul pays au monde à l'avoir véritablement compris ce que c'est que la mondialisation. Ok, d'accord. Parce que qu'est-ce que la mondialisation? La mondialisation, la c'est un principe. Elle est vraiment longue, ta parenthèse, hein, Amzak. Bon, je vais y arriver. On va donner la parole à... On va donner la parole à Didier très rapidement. Oui. Alors, Didier, dites-nous un peu. Oui. Quelles sont, selon vous, les motivations de la Chine? Parce que quand la Chine, on se rappelle encore il y a quelques semaines, le président iranien qui se rend en visite officielle en Chine et deux jours après, nous avons ce résultat-là. Ouais. Quelles sont, selon vous, les motivations qui ont conduit la Chine à réunir ses deux frères ennemis et qui sont très importants pour la zone du Moyen-Orient? La diplomatie active. C'est ça, une diplomatie active. Et c'est très bien d'avoir fait ça. Et entre chiites et sunnites, ce qui se détestent, et les réunir là-bas, et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que la Chine est en train de voir l'échec des BRICS. Ces États émergents là, les petits riches qui se sont mis ensemble pour faire quelque chose. Les nouveaux petits riches, mais qui n'ont de richesse, de rien du tout. Ils n'ont rien fait. Donc la Chine se distingue en ayant une diplomatie active. Et moi je reviens, ça je le chante sur toutes les radios, sur toutes les chaînes. Il est temps d'imploser l'ONU et surtout le Conseil de sécurité. Ces gendarmes du monde là, ce sont eux qui foutent le désordre, permettez-moi le terme, dans le monde. Regardez, prenez les cinq, hein, ce sont eux. Russie, Chine, France, Angleterre, États-Unis. Qui alimente des conflits dans le monde si ce n'est pas ça? Donc, les BRICS se sont réunis à un moment pour dire, nous étions quand même les non-alignés à une époque. Donc, avec l'Inde, avec la Chine, avec le Brésil avec L'Afrique, Russie aussi, L'Afrique du Sud, oui, mais la Russie, c'est très vite, on a compris l'échec des fameux BRICS. Et donc, la Chine dit, OK, maintenant je sors du groupe et je montre que je suis l'industrie du monde, je suis l'usine du monde, j'ai une force de frappe et je peux agir. Et ça, c'est ce coup de maître que la Chine a réussi en faisant ramener les deux sur une table de négociation et de pouvoir se parler. C'est déjà quelque chose. Et même si les Américains vont peut-être essayer de rattraper, parce que sont les alliés Parlant des Américains, Morgane, dans cette zone du monde du Moyen-Orient, qu'on sait une zone très tendue, est-ce qu'avec ce coup de maître de la Chine, désormais, les États-Unis n'ont pas vu ça venir, est-ce qu'ils feront profil bas? C'est hors de question que les États-Unis fassent profil bas. C'est vous qui le dites ou bien c'est les Américains? Je ne le dis pas, j'observe. C'est le consultant qui parle. Effectivement. D'accord. Quand vous regardez l'histoire des relations internationales, les États-Unis ont toujours su comment répondre à que ce soit diplomatique, que ce soit politique ou même économique. On l'a vu. Et aujourd'hui, il s'agit d'un coup de maître diplomatique. Et donc, il faudra que les États-Unis pensent à que faire pour rééquilibrer le mécanisme. Parce qu'il faut rappeler que la question de leadership du monde, et qui fait qu'on a les Nations Unies et ce Conseil de sécurité dont Didier Sanson a parlé, et de la nécessité de tout arrêter, il faut dire que, oui, c'est vrai, ce sont les cinq qui nourrissent les problématiques de déséquilibre qu'on a, mais c'est aussi eux qui stabilisent. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un groupe de personnes qui puissent dire à un moment donné... Ils sont à la fois metteurs de feu et pompiers. Exactement. Pyromane. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le contexte a énormément évolué de façon à ce qu'à eux seuls, ils ne peuvent plus assurer ce rôle. Il y a de nouvelles dynamiques et la Chine vient de prouver en allant même vers ces deux-là, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc voilà. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On avait encore à dire. Hein. Le monde, la prochaine fois. On va revenir certainement. On va revenir certainement. Non, j'ai fait court. Oui, surtout qu'il y a, j'ai vraiment fait court, hein, surtout qu'il y a un débat très en gestation entre Morgane et
Hamzat. Donc, chers internautes, le moment venu, vous serez informés, mais prenez déjà rendez-vous. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi 13 mars 2023, où j'ai reçu pour vous Hamzat Abdoulaye, expert en relations internationales, Didier Sanson, journaliste et enseignant, et Morgane Asogba-Metondi, consultant géopolitique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir chez vous. Rendez-vous lundi prochain.